Aïe 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 aïe. Eh, très bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. Un nouvel épisode avec Neil et Mister, ou plutôt Miss Meliodas Sama. Donc on avait fait un Cody Rush juste de malade. Et bah aujourd'hui en fait on se retrouve pour refaire du colis. Donc bon, je leur ai dit que j'avais pas envie de filmer ce combat parce que ouais, map distance. Et bon, il y a du Xel, forcément il y aura du retrait, ça va taper dans tous les sens, j'aime pas trop. Mais j'aime bien quand même voir du Xelor en action. Bon, je préfère quand ils sont avec moi les Xelor, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors pour ce colis exprès, j'ai activé mon mode tank retrait un petit peu, donc avec quelques trophées. Donc pourquoi il faut sans doute que ça active à chaque fois, voilà hop. Le détail, donc j'ai combien de retraits, enfin tank retrait entre autres. Hein. J'ai 56 retraits PA, c'est pas énorme, même avec un trophée. Alors 36 esquives PA, par contre ils ont une esquive. Ils ont tous le même stuff ou qui est pas ça? 42, 49, ouais ils ont quasiment tous le même stuff. Donc, je pense que je pourrais en kicker pas mal des PA. En plus ils sont tous en 12-6 en face. Donc Beast, Exit et Unknowin, Hypermage et Nih Xelor, ça a l'air vraiment pas mal, ils ont pas d'érosion. Donc Nate toujours avec son stuff, bon finalement il est en nébuleux, donc après oui, il doit être terre-feu hein, surtout. Donc en chaleuil, hein, vous avez pu le voir dans le colis rush, c'est tout simplement énorme. D'ailleurs je sais pas combien il y a eu de likes, combien il y aura de likes parce que j'ai toujours pas posté. Je posterai sans doute un peu plus tard. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Hop, le petit rempart. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, non, il faut petit boom. Bon, ça va être tendu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Xelur? Est-ce qu'il peut TP quelqu'un? Oui, largement. 8 PM, 13 PA. Xelor en ébu ou pas? Ouh, Xen Nébu. Eni Nébu ou pas? Je pense pas. Non. J'ai bien vu le... Ouais, c'est bien et ça. Et... Ouais, Hyper Nébu aussi. Par contre, c'est chiant parce qu'à chaque fois, il faut réactiver. Allez. Voilà, il me dit goal roll toi, joy, ouais je tape hyper, goal bloqué. Oh ça c'est bien joué ça, il commence à taper. Ah GG hein, oh là là. Ah ça m'a il me tue quoi, ça c'est pas de la portée de PD il a dit. Mais attendez mais il a tapé quoi? Ouais O principalement OR, ouais. Quand même une portée énorme donc sur du 50%. Ouais GG ça. Aïe aïe aïe. Aveuglement moins 3 PA en masse. Ouloulou. Ah ça va faire mal hein, les aveuglements du futur. Et
qu'est-ce qu'il fait? Il veut me debuff. Et qui cache de PO direct, hein. Alors par contre, lui, il est suicidaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, déjà, je vais me bouffer K. Un chauffeur? Une seule invoque. Bon, après, je pourrais le cac. Je vais le cac. Pas grand chose à faire. Bah, c'est surtout que j'ai un boubou distance, quoi. Boubou, je tape bien plus fort à distance que corps à corps. Et le ton du Xen, il va faire mal. Hein. Donc, moi, je me suis boubou fait K. Bah, Xel en est bu, hein, ça va être tendu. Gay, il avait 17 PA. Allez. Il va faire une gélure. Oh là là. Oh yo yo yo. Oh yo 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 yo. Sabra Cham. Xelor en a Cham. Putain, c'est du. Non. Oh, il a très bien joué en plus, il a ramené l'ennemi. Enni 18 PA, mais. Ouais, là c'est sûr, pour le coup, il a très bien joué. Bah, je pense en fait, c'est une. C'est de la répétition en fait. Reconce, Prev et kick PA Enni. Hein. Et non, 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 non. Non, non. Là, il fallait vraiment lui kicker PA à fond parce que. Non, parce que là, je pense qu'il va le tuer. Hein. Clairement, 16 PA, c'est de la gnognotte. Ah, ça va. Ah, j'ai rien dit. Ouais, non, mais ils ont tous les mêmes stuff. Mais ouais, moins 3 PA. 3 PA. Il a 3 PA. Attends, mais Upper a 17 PA? C'est quoi du machin? Je lui en ai kick 2. Et c'est complètement n'importe quoi. Xer, il a donné 2 PA, Lenny donne 2 PA, ça fait 4 PA en plus. Pourquoi il monte à écoute? Je comprends pas. 7 PA, mais ouais, il a pas un sort qui lui donne des PA, l'Upper? Si, ouais, c'est contribution. Flou, ouais. Ouais, bon, notre chap, malheureusement, il est mort. Ah ouais, le cadran aussi. Ah, c'est dingue. Bon, bah, je sais pas trop quoi faire. Ouais, mais je suis pas en mode rock, ça. Après, ça se tente, hein. Ouais. Ouais, ça se tente. Bon, bah... Ouais, je filme toujours, hein. Je filme toujours.
par contre, il a pas d'office émeraude, c'est un peu dommage. Faut que je kick full PA par contre. Ouais, normalement je peux faire tout ça, donc TP, rempart. Non, j'ai pas besoin de TP en fait. Putain, mais 3 PA! Oh! Ouais, pour le coup, bon, je vais donner une zone TLF. Pas grave, pas grave. Ouh, la synchro. Attention synchro. Ah, il faudrait qu'il me PA, moi j'ai plus de PA. Je crois qu'il veut pas me donner de PA. Ah si, thanks. Quel regain de vie énorme. Bon, je verrai bien comment faire. Bon, alors, je me demande s'il finit. Par contre, il peut vraiment claquer la synchro. Pauvre Xelor, il voulait Kawat et TP. Bon, pour le moment, Scully est très tendu, mais je pense qu'on a largement l'avantage. Il faudrait vraiment qu'il le démonte. Oh là 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 là. Bah du coup je l'ai boubou à distance.
Ah, maintenant il restera pas là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit boubou féca par-ci. Glyphe enflammé aussi par là. Hop, hop, hop. Regarde ses PA et ses PM. Plus Gravita, hein. Eh oui, c'est vrai que Féca c'est. Ah là là, les Féca, ah là 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 là. L'Exel, il doit péter un câble. Aïe aïe aïe. Allez, plus, je pense que c'est terminé. L'Exelor ne peut malheureusement rien faire pour le coup. Au pire, il peut me TP, hein. Ouais, il peut me TP, même si je suis dans le glyph Gravita. Ah, GG. Mais je sais pas s'il finit, du coup. Ah, la chance. Il y a un minimum de chance dans ce qu'il vient de faire, je trouve. Bon, j'espère que je ne perds pas trop de PA quand je rentre dans mon propre glyph. Ah bah c'est bon. Allez. Oh, ça fait mal. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement faire? Hop, petit boubou au cac, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, est-ce qu'il pourrait vraiment péter la synchro? Ouais, je pense qu'il. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est terminé. Oh putain, la vache. Bon, bon, bon. Alors, la synchro. Est-ce qu'il peut me la péter? Oui, il peut me la péter. Je crois pas. 1, 2, 3, 4. Il me semble que c'est une zone de 3. En fait, je crois que c'est un anglais en face. Hein. Il parle pas français. English people. Voilà, tout simplement. Bon bah je trouve que c'est quand même un colis assez bon. Un colis Bah on l'a bien maîtrisé, après je vous cache pas que je pensais qu'on allait perdre une team comme ça à 18 PA en face, c'est oufissime. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Hop. Petite bulle. Bulle. Et attention, boum! Kill TLF, ça fait plaise. Je fais pas souvent ce genre de choses, mais bon. En tout cas, voilà, j'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Jurassic, Nate et Meio Sama. Ciao, les gars!